Amis téléspectateurs, voilà, nous sommes à Malabo, comme je disais toujours, 48 heures à Malabo, 48 heures de marathon, marathon pour, bien entendu, la consécration du prix UNESCO et Guinée-Équatoriale. On va avoir l'impression d'un géopoliticien, il n'aime pas, géostratège ? Géopoliticien. Géopoliticien. Ce que je n'aime pas, c'est géopolitologue. Voilà, très bien. Alors, il va nous donner la planimétrie de ce qui s'est passé aujourd'hui. Son impression par rapport au discours du président Obiang Nguema et ses autres pairs qui sont venus, les cinq autres. Alors, première impression, monsieur Luc Michel. Mais ma première impression, c'est qu'on voit évidemment la renaissance officielle du panafricanisme. Il y a un État qui porte le panafricanisme. On voit une Afrique émerger, parce que c'est le premier prix, c'est la première fois qu'un pays africain donne un prix à l'UNESCO. C'est l'équivalent d'un prix Nobel. Mais on a surtout vu hier, moi c'est ce qui m'a le plus frappé, on a vu se lézarder le monde unipolaire occidental et américain. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'Amérique monopolisait la recherche, le bien-être, l'UNESCO, le beau, le bien. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un chef d'État africain qui est le président d'un État diabolisé, il faut le préciser, remettre un prix à un savant iranien, autre État diabolisé, et à un autre savant africain. La recherche du savant iranien se fait sur les cellules souches, donc on est vraiment dans la biologie de pointe qui va conditionner à la fois la médecine, l'industrie pharmaceutique dans les années qui vont venir. C'est ça la recherche sur les cellules souches. Donc on voit véritablement ici un monde multipolaire émerger. On voit que l'Afrique peut exister sans l'Occident, parce que c'est ça qui est clair. Et on voit aussi se dessiner une autre configuration mondiale qui est celle de plusieurs centres autonomes, avec une participation commune. Moi c'est ça surtout sur lequel j'insiste, à la civilisation mondiale. La civilisation mondiale, c'est pas comme les Américains le voudraient, celle de la globalisation, c'est-à-dire l'American way of life imposé au monde. On a ici, on le sait déjà, la Chine existe, la Russie existe, mais l'Afrique est en train de prendre cette place là-dedans. Et ce qu'il faut espérer, c'est que, évidemment, ce qu'Obiang Nguema a voulu faire, c'est un symbole. Il faut espérer que ce symbole débouche sur une réalité, c'est-à-dire qu'au moins certains pays africains rejoignent les BRICS, puisque nous sommes quand même dans un monde où c'est l'économie qui décide. Et la globalisation, elle est là parce qu'elle est là en pointe, elle supporte ce que moi j'appelle, je n'ai pas peur des mots encore, l'impérialisme américain ou la domination occidentale sur le monde. Et donc les BRICS contestent ça au niveau économique. Ils commencent, puisque c'est la position des Russes. Les Russes disent que les BRICS sont maintenant une réalité géopolitique. C'est vrai, par exemple, sur des dossiers comme la Syrie, sur l'Ukraine, etc. Il faut maintenant, derrière tout ça, une réalité économique. Une énorme partie des échanges de l'Afrique, je crois que c'est plus de 35%, se font avec des pays des BRICS. Et donc, il faut espérer, là, au moins l'Afrique, vous savez, moi je ne crois pas à l'émergence immédiate de toute l'Afrique, parce qu'il y a trop de divergences, il y a 52 pays. 54, oui. Regardez, on s'y perd parce que les États africains se implosant de plus en plus sous justement les plans occidentaux, on se perd un peu dans le compte. Mais ce qu'il faut savoir quand même, moi je suis quelqu'un, je compare souvent le processus pan-européiste au processus pan-africaniste, pas pour que l'Europe donne des leçons. Il y a des réussites de l'Union européenne dont l'Afrique devrait s'inspirer, mais il y a les échecs. En regardant ce qu'a fait l'Union européenne, l'Afrique pourrait éviter de perdre du temps, de l'argent et une génération. Et un des échecs de l'Union européenne, c'est que depuis qu'ils sont 28, ils veulent être 29, 30, plus rien ne marche dans l'Europe. Voilà le problème. Alors, plus rien ne marche, j'ai eu à m'entretenir avec le président Boni Yayi, président du Bénin. Il a mis l'accent encore par rapport au dernier sommet de l'Union africaine qui a eu lieu ici. Vous avez participé aussi à ces derniers sommets. Il met en exergue, en fait, l'intégration régionale par rapport à la protection alimentaire et la sécurisation alimentaire, etc., etc. Pour 2063, il n'y aura plus de la famine en Afrique. Est-ce que c'est un mirage ou c'est une réalité? C'est une réalité, mais moi je dirais que 2063, c'est loin. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. Ça pourrait aller beaucoup plus vite si le projet de Mouammar Kadhafi pour l'Union africaine s'était réalisé. Il y a eu toute une envolée
Kadhafi a forcé l'Union africaine. Il faut savoir, lorsque l'Union africaine a lieu en 1999, Kadhafi l'impose à des chefs d'État réticents. Puis il propose une série de choses sur lesquelles on revient maintenant. Monnaie africaine, banque centrale africaine, etc. Mais qui ont été abandonnées par la destruction de la Jamaïrie. Il a proposé, mais là ce ne sont que des projets, une force d'interposition africaine, une armée africaine, projets qui ont été torpillés au sommet de Washington au mois d'août par les Américains, puisqu'ils ont lancé directement leur propre force, qui est en fait dans les mains de l'Africom. Mais s'il y avait ce projet d'Afrique unie, comme le voulait Kadhafi, on n'attendrait pas 2063. Maintenant, je pense aussi que les unions régionales, c'est la solution. Moi, je l'ai toujours dit, je ne crois pas à la possibilité à 52 ou 54 ou plus de déboucher. Donc, moi, je pense qu'il faut un noyau dur d'État, avec des États panafricains en pointe. Quand on suit et on revient à l'exemple de l'Union européenne, elle a fonctionné sur deux noyaux durs. Le noyau dur du Benelux, avec la France, et ce qu'on appelait le duo Bonn-Paris à l'époque, l'alliance franco-allemande que symbolisait la rencontre du général de Gaulle et d'Adenauer. C'est ça qui a lancé l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui ne fonctionne plus parce que ce binôme n'existe plus. Donc moi je pense, soit des États africains vont décider de faire un noyau dur. Mais comment le faire? Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que le noyau dur soit évidemment à Malabo, et puis que l'autre pointe du noyau dur, on aille la chercher au Soudan ou ailleurs. C'est loin, il n'y a pas de continuité. Donc je pense que les unions régionales, comme la COMESA ou la CDAO, etc., ça pourrait être la base de ça. Maintenant, c'est vrai que l'Afrique a des défis. Et là, un défi, évidemment, maintenant. Moi, je joins dans le défi sécuritaire la santé. Parce que quand on a des pandémies comme Ebola, c'est un problème de sécurité nationale. Alors, le problème de sécurité nationale, pardonnez-moi, vous allez continuer avec ça. Oui. Je prends la balle au bon. Vous allez continuer avec votre raisonnement, votre réflexion. Dès qu'il y a eu le problème d'Ebola, on ferme les frontières tout de suite. Donc, l'intégration régionale n'existe pas en Afrique. Deuxièmement, ça a créé des problèmes économiques assez importants. C'est-à-dire que le président Kaberuka de là-bas dit clairement que ça a ramené l'économie vers le bas avec 4,7% de la croissance au lieu de 5,6%. Donc, on n'est pas encore prêt à vivre la vraie Afrique. Mais Roger Bongos, le problème de tout ce qui se passe en Afrique, c'est qu'il y a des dirigeants africains sincères, comme le président Biangnéma Bassogo, comme par exemple maintenant Idriss Déby, qui vient spectaculairement dans une interview Afrique Média de se rallier au panafricanisme. Les chefs d'État, mais ils n'étaient que 5 hier, c'est un symbole. Les 5 chefs d'État qui étaient hier à Malabo pour la remise du prix de l'UNESCO, ils ont plus ou moins tenu un discours panafricaniste. Kenyatta, ça a été aussi une surprise. Mais derrière ça, il y a des chefs d'État réticents, et c'est vrai que l'intégration n'est nulle part. L'Europe a résolu la libre circulation des personnes, elle n'existe pas en Afrique. L'Europe, l'Union européenne a résolu, bon, l'euro, on peut en dire ce qu'on veut, mais elle a fait avancer les choses, même s'il y a des gros problèmes. Tout ça n'existe pas en Afrique. Et les intégrations régionales, ça reste des syndicats d'intérêt économique et ça ne va pas plus loin. Pour qu'il y ait une intégration régionale, il faudrait au moins la libre circulation des personnes. Mais on n'est nulle part, hein. On n'est nulle part actuellement. Le problème de sécurité nationale, oui, Ebola en est un, mais il y a d'autres choses. On est ici à Malabo, il y a une commission du Golfe de Guinée qui sert à lutter contre la piraterie, c'est aussi une initiative de la Guinée équatoriale. Ça vise à ce que ce ne soient pas les grandes flottes occidentales, britanniques, françaises, américaines, qui fassent la loi dans le Golfe de Guinée. C'est car le Golfe de Guinée aujourd'hui, c'est la principale zone de piraterie avant le Golfe d'Aden, avant le Golfe de Somalie. C'est ici que ça se passe. On n'en parle pas. Et ça fonctionne au niveau militaire, paradoxalement. Il faudrait maintenant que ça fonctionne pour des urgences de sécurité médicale ou des urgences de sécurité alimentaire, les famines, etc. Mais là, on en est loin. On m'appelle le panafricaniste blanc, mais je suis un afro-pessimiste. Parce que je vois depuis la destruction de la Jamaïrie, je vois l'Afrique reculer spectaculairement. Je vois l'Afrique pas respectée. Ce qui s'est passé au sommet de Washington, qui n'était pas un sommet d'ailleurs chef d'État africain
Obama, c'était un, comme il le disait, c'était un sommet Young Leaders USA. Le résultat a été lequel? On a vu des chefs d'État arriver à qui on a imposé un test Ebola. Ça, c'est scandaleux, comme s'ils étaient des sous-immigrés de quatrième catégorie. On a vu des gens convoqués. Moi, il y a une image qui m'a fait mal à Washington. C'est la conférence de presse entre Kabila et Kerry, où on voit... Écoute, j'ai eu l'impression de voir un élève venant se faire engueuler par son professeur. On voit que Kabila finit par dire non, il veut réviser la Constitution. Mais là-bas, on voit quand même un chef d'État qui, visiblement, s'est fait tirer les bretelles, pour rester poli. Ça ne va pas. L'Afrique n'est pas respectée. Quand il y a un problème en Afrique, on les convoque à Paris, on les convoque à Washington, on les convoque à Bruxelles. Il faut sortir de ça. Il faut sortir. Il y a un homme ici, en Afrique, qui essaye. C'est le président Biagnéma Massogo. Mais il ne faut pas que ça reste simplement un applaudissement poli. Il faut évidemment que le processus débouche sur des choses concrètes. Visiblement, il essaye de montrer la route, c'est le prix UNESCO. C'est hier les 2 millions de dollars, d'euros pardon, qui ont été donnés pour la recherche contre Ebola. Ce sont toute une série de gestes. Le problème, c'est que les Occidentaux réagissent immédiatement. Deux exemples, la force d'interposition, mais Obama l'a coulée en créant une directement sous contrôle de l'Africom avec des États clients. C'est-à-dire comme le Rwanda ou le Kenya. On va voir, j'ai vu le discours panafricain d'Uhuru Kenyatta hier, on va voir ce que ça va donner. La deuxième chose, c'est la proposition d'envoyer en République de Centrafrique des troupes de l'armée de Guinée équatoriale. Et on voit tout de suite que Paris s'y est opposé. Voilà, vous avez vu l'analyse assez développée de notre ami politologue belge, Luc Michel, qui crève l'écran avec l'Afrique Média. Il a apporté, il s'est dit afro-pessimiste. Alors je me pose la question, il y a des afro-réalistes, il y a des afro-optimistes, mais pourquoi il s'est mis dans le camp des afro-pessimistes? Une dernière question, vous répondrez à ça, puis on terminera. Moi, je crois à l'Afrique. Moi, je suis pas quelqu'un, je crois à un combat, je crois en Afrique, je crois au continent, je crois aux Africains. Parce que je vois ici le panafricanisme dans les masses. Le paneuropéisme en Europe occidentale n'est plus dans les masses. La Russie est derrière Poutine, mais ça ne correspond pas à un engagement des gens. Les jeunes Russes ne sont pas, par exemple, prêts à aller se battre en Ukraine, c'est clair et net. On a 87% d'approbation de la propagande de Poutine, mais 10% qui est prêt à aller en Ukraine. Ici, pas. Ici, on voit. Moi, je suis sorti de l'avion à Douala, puisqu'on est arrivé par là. J'ai vu des jeunes, essentiellement, venir me serrer la main, prendre des selfies avec moi. Ça a été de tout niveau. On a vu des policiers. On a vu des commerçants. On a vu, vous savez, les bandes de rue qui tiennent la rue à Douala. Ils venaient voir. Il y a une adhésion des masses. Je reçois toutes les semaines des milliers d'emails. Je ne sais plus répondre, mais je les lis. Ce sont des jeunes de tous bords, des intellectuels, des gens qui, visiblement, n'ont pas d'éducation. Mais ils sont là, ils écrivent. Il y a donc un potentiel humain. Il y a des gens qui sont prêts à se battre. Je pense qu'ils sont prêts à mourir pour leurs idées. C'est respectable. Ça n'existe pas en Europe, malheureusement. Ni occidental, ni oriental. La politique telle que je la fais en Eurasie, nous sommes des réseaux de cadres. Ici, on fait de la politique de masse. Donc, ça, c'est le côté optimiste. Mais à côté de ça, les masses sont en avance sur les chefs d'État. Elles sont en avance sur les élites. Quand on arrive là, on voit le président de Guinée équatoriale qui est en pointe. On commence à voir timidement deux, trois chefs d'État qui suivent. Derrière, il n'y a rien. Il y a des États clients. Il y a des États qui se précipitent encore à Paris. Dans un monde où la France-Afrique n'existe plus comme réalité politique. La France, depuis la réintégration de la France dans l'OTAN par Sarkozy et Hollande, c'est des généraux non plus français mais de l'OTAN au service de l'Africom. Et la France-Afrique, ce sont les porteurs de valises de la politique de Washington. Mais ça n'empêche pas les chefs d'Africains d'avoir gardé, un peu comme le chien de Pavlov, avoir gardé le réflexe de soumission, au moins de problème.
On court chercher de l'aide, de l'argent, des troupes à Paris, des conseillers qui ne sont pas là pour aider, évidemment. On voit encore les grandes multinationales, notamment françaises, Bolloré, par exemple, qui fait la loi en Côte d'Ivoire, qui fait la loi au Cameroun dans les ports. Ça, ça ne va pas. C'est pour ça. Moi, je suis pessimiste de ce côté-là. Et je suis pessimiste aussi parce que le panafricanisme, il s'est effondré une première fois en 2011 avec la destruction de la Jamaïque. Il reprend, mais de façon beaucoup plus timide, parce qu'il n'y a plus, la locomotive flamboyante qui était Kadhafi. Il n'y a plus ce type qui n'hésitait pas, fantastique, moi je l'ai connu, qui n'hésitait pas à dire non aux plus grandes puissances. On n'impressionnait pas Kadhafi. On n'est pas ici. Ici, on a un chef d'État plus traditionnel, on a une politique plus traditionnelle. J'ai été très déçu de ne voir que 5 chefs d'État hier. Ça, c'est une chose. Donc, c'est mon côté afro-pessimiste. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a un grand homme d'État européen, c'est Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, c'est l'homme qui a fait l'indépendance des Pays-Bas. Et sa famille, après, ils sont devenus rois d'Angleterre. Et Guillaume d'Orange disait, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Et il ajoutait, où il y a une volonté, il y a un chemin. Maintenant, ma conviction profonde, et ce sera ma chute là-dessus, c'est que ce sont les masses africaines qui vont apporter cette volonté. Merci. Vous avez vu, donc, par rapport à l'intervention de notre ami Luc Michel en direct de Malabo, le 16 septembre 2014, après, en marge du sommet, la rencontre pour la remise du prix UNESCO au Bien-Guéma, où nous avons vu que 5 présidents timidement ont parlé de l'Afrique d'une manière émergente. Mais il y a encore un chemin à faire. Merci à vous. Bon retour en Belgique. Merci à vous.